faut que les gens oublient les esprits claniques. Ceux qui nous poussent à ne pas accepter la paix que nous amène ne peuvent pas nous amener la paix. Quand je suis malade et que vous me refusez d'aller me soigner où je vais me soigner et que vous ne pouvez pas me soigner, c'est que vous me poussez à la mort. Ma meda me macher se borem chedi irim tenya fo bafo irim bemis kantino lakal kana ga hin kai la bekni wodi ni mo chefo exam ka bore ziara al mantan kan centenir se idia akanir se abo c'est que ils sont là temporairement, il va les faire retourner dans leur région d'origine, il va les accompagner, il a et puis il va assurer la sécurité. Modou, je suis directeur de l'école centre de Kadekourou. Je crois que ce village accueille un président de la République. En tout cas, c'est le premier. Et on est vraiment fiers de cela. Et il vient dans le cadre de la sécurité. On reconnaît qu'il a fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Mais on veut encore qu'il fasse chaque jour un peu plus. Parce que sans sécurité, vraiment, rien ne va. Non, pas directement. Et Gabekou n'est pas encore menacé, mais on voudrait vraiment qu'on prenne des précautions parce que les villages voisins en sont concernés. Donc ici aussi, si on ne prend pas des précautions, ça risque de nous trouver également. Nous risquons de nous trouver dans le même cas. Non, jamais. Oui. C'est Dr Saïtif Mega, je suis conseiller régional élu. Nous sommes à Dargol, le site donc à Saint-Jean. Le président, comme dans son programme, il va venir ici, on va l'appeler, il va venir pour voir les déplacés. Il l'a fait à plusieurs endroits. Je crois qu'il a fini l'étape donc de Gabekou. Il va être à Dargol, après il sera à Terra. La semaine passée, il était à Dourdi. Il a été partout. Et la promesse faite qu'on a entendue, il va certainement réitérer cette promesse-là, c'est qu'ils sont là temporairement. Il va les faire retourner dans leur site d'origine, il va les accompagner, il va assurer la sécurité pour que ces populations-là retournent et continuent leurs travaux de quotidien. So itu ada handi yang kaya cina. Ir kail mil nongoro boleh ir kau. Abin deh, ah? Oh, ir moyeka. Boleh fani di. Makam aku boleh gara deh ir moyzu. Igo nojin hari. Zamir wasa joran ir kau. Magret masak. Salam. Sa joran ir kau ir moyzu kita. Kelasnya jaguru. Mitanjat di sana walai. Bazu mama minjeti mosane min kowadi min dum wallahi minjeti do pamral e hakilo walingo mi dangari Allah duwa min jeccho min kaba min jodi nokure ami min belta ko amma e nokure ami buri sen nodo hoti nokure mako fu non buri nda welti nokure gare dum sen belto da nokure ma dum fu non kay na wada mi dangeti Allah wallitrame e hakilo walingo min kaba min jeccho min jodi nokuje ami hakilo walingo. Donc si aujourd'hui on arrive à avoir à les faire retourner dans les villages, vous voyez, c'est un acquis pour nous. Il n'y aura pas de problème. L'essentiel, qu'ils soient sécurisés. Ils sont même prêts de retourner. Il y a d'autres qui sont même pressés de rentrer chez eux. Parce qu'aujourd'hui, on est en plein hivernage. Des endroits où il a plu, d'autres ont semé. Ceux qui sont là veulent retourner semer, ils n'ont pas pu avoir accès pour retourner. Mais si... Wallah hakanir segungumu sutu il soyu wandayu wallah hakanir segungumu anir berend mo bere hanno zaman ka aka kai irgergawo anir fo yewodin kan atirsi wallahi aberai saku wallahi aberai saku irgo ga saba semu gungumu irkoy mudiyase irkoy mu kwanda se gina o matakan aka bani irkoy mi yenda bani da lafiya nga famiyura irkoy ma halas mo yenda nga famiyura bani da lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc je me présente madame Maimouna Nabiou. Je suis la présidente départementale de l'association Kongafen. Donc vraiment, on connaît bin kan zar bombatino itera la bokurse itera ganda kulse. Zamir kama zabi kaka on connaît zair ma président kai on borkal borga ou borga zakga borkul mandu borei
Mais président Tchabore, c'est un bon femme, c'est quand Kadine Mongadini, il coule la calcaire, il gore de Miragina, il est sécurisé, what did Chini Duga, déplacé, il y a son mobilier d'Angora. A ma voix, token à Manka, Bore Sano, un tu y a un. Bore Chiroga, président Wa, un éboracul miyoun. Alors que ce sont des commandes, Bore Hundi by Sanyan de Nokirote. Donc il veut vraiment que président Kahunkuntera. Anil bonga fera anil bonga kakulba bore ka yango chechi ngem sennote sen foka matiya di chinno unkuni bonga feri il maka anil faraha fisbillah il ko dem banise akana ise president visit to kan akatira wallahi akana ise gubo akana ise zamson ha akana jama ku akan tira ku president visit to ka katene wa akana ir jama ku kan goteras tera me amesena kan tera me ame monuna kubai ne wo asin da wo wolwo ir me ame ma kayan kani zama ai wasu a kayan wono na yi profite ai go gisalan ai go gici ai wo barkar na yi go gaihe to nan ci ce na ai ga sabu a kayan wo sai ai ga sabas okay so ho de sintinare wo kan ga bem selen bora kul se ngono ta ir go sabu tera bora me da me ko kurkan kane o margado se de yo we meda me kulkan ka tera irgo sabi se irgo sab lab ko wo kan na ka selen tera bore se wo kan ni gba ir mu ci tera bore se ngono ta diro wo kan la no bore ka manta parti direno manta dum dum direno amanta kan labo lakkal kana ng ma ga no bore ka no goriyo irgo ka ngare irko ga jama meda me macher se bore mi cheddi irim te nyafo bafo irim be miskantino lakal kera gi nka illa bola wone ngene go ngare bora meda mega so assalamu alaykum m'appelle Moussa Idrissa Maiga donc nous avons vu l'intervention du président de la république son excellence Mohamed Bazoum en ce qui concerne la paix la cohésion sociale et la sécurité. Ça, c'est une démarche dans laquelle nous avons entrepris depuis un moment dont nous avons l'appui de tout le peuple nigérien, y compris principalement le président de la République, en ce que cette paix. Aujourd'hui, nous avons vu le président se déplacer en personne. Il a demandé à toutes les populations de retourner chez eux. Retourner chez eux ne veut dire pas retourner et que nous, on vous abandonne. Vous allez partir avec l'appui du gouvernement, l'appui du président de la République et l'appui de tout ce qu'on peut vous apporter comme assistance. Dans cette optique, nous ne pouvons dire que nous le remercions et demander à la population. Dans cet travail, il y a la responsabilité de tous, du gouvernement et de nous. Et dans ce combat de la paix que nous sommes en train de mener, il faut que les gens oublient les esprits claniques. Ceux qui nous poussent à ne pas accepter la paix que nous amène ne peuvent pas nous amener la paix. Quand je suis malade et que vous me refusez d'aller me soigner où je vais me soigner et que vous ne pouvez pas me soigner, c'est que vous me poussez à la mort. De dire à ces gens-là d'oublier, il y a un président depuis qu'il a commencé, c'est de la dynamique de la réconciliation de la cohésion sociale, nous ne pouvons que l'accompagner. Nous avons, depuis un certain mois, nous avons commencé à l'appuyer. Nous avons travaillé avec la diaspora, nous avons fait le Bénin, nous avons fait le Togo, nous avons fait le Ghana et la Côte d'Ivoire dans cette démarche de paix de réconciliation. Et que dans cette même démarche, tout ce que nous avons entrepris avec la diaspora a été quelque chose qui a été écouté et que le gouvernement aussi a applaudi. Ici à Téra, un peu partout dans la région de Télabéri, ce travail est en train d'être suivi. Si vous constatez actuellement la fièvre de ne pas comprendre a diminué et pour ça nous ne pouvons que remercier nos frères, nos soeurs, nos amis pour l'entendement qu'ils ont compris. Parce qu'ils sachent, ils n'ont qu'à leur terre. Quand vous perdez, vous n'avez pas aucune terre. Donc dans ce type, on ne peut que les remercier. Ils ont compris et jusqu'à présent, nous sommes en train d'accompagner le Niger. Parce que c'est le Niger, pas le président de la République. Ce que le président demande, c'est pour le peuple, pas pour lui. Donc dans cette optique, nous pouvons dire que la région de Télabéri, de Téra et un peu partout du Niger, partout se trouve la sécurité, les gens sont en train de travailler ensemble pour accompagner le président de la République. Quand je sais tout cela,
je ne peux qu'être humble et rendre hommage à nos forces de défense et de sécurité, les encourager. Mais en même temps, vous autres civils, vous autres membres des communautés, vous autres leaders de communautés, ce combat de récupération de nos jeunes, nous devons le faire en même temps. Nous nous garantissons le rapport de force. Vous, vous devez être entreprenant parce que lorsqu'on ne tente rien, on n'a jamais rien. Voilà donc, mes chers frères de Terra, merci beaucoup pour votre accueil. اللهم لا تؤاخذنا من نسينا واخطانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الفاسقين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الكافرين يا الله يا رب العالمين شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء